Je vous invite dans cette vidéo à découvrir l'orientation de la page. Alors, pour changer l'orientation de la page, on va dans l'onglet Mise en page. Dans le groupe Mise en page, on clique sur la commande Orientation. Alors, on a deux types d'orientation. Le premier, c'est Portrait, c'est la méthode française. Et le deuxième, c'est Paysage, c'est la méthode italienne. Alors, d'où ils viennent les noms portrait et paysage? Ils viennent du domaine de la peinture, puisque les peintres français utilisent le format des tableaux sous forme de portrait, et les peintres italiens utilisent bien sûr le format paysage, d'où il vient portrait et paysage. Alors, ce qui est intéressant là, c'est de savoir comment changer l'orientation du paysage vers portrait ou bien l'inverse. Par exemple, prenons l'exemple de la page 1. Donc, on va voir sur le volet navigation que c'est format portrait. Alors, on clique sur la page et après, on va changer l'orientation. Et voilà, donc la page 1 a changé d'orientation pour devenir en paysage et les autres, bien sûr, restent en portrait, puisque donc on a deux sections là. On a créé déjà des sections. Voilà. Alors, sans plus tarder, on va passer à la pratique pour voir l'atelier 4 et la tâche 6. Alors, la tâche 6, c'est changer l'orientation de la page 3 type paysage. Alors, on va dans la page 3 et on va cliquer sur orientation et paysage. Voilà, merci.